Eh bien, François, qu'est-ce que vous faites là? Voilà, je fais rien, Ernestine. Vous ne faites rien, mais tenez, prenez les patates. Ouais, mais... Il n'y a pas de enfer! Vous savez quelles sont mes sanctions quant à vos inaptitudes conjugales. Ou vous serez un mari, avec tout ce que cela comporte comme obligation bi-hebdomadaire. Ou vous vaquerez aux soins de la cuisine. Eh bien, vaquez, mon ami, vaquez. Moi, j'en fais. Merci! Voilà, excusez-moi, voilà. Mes affaires, tu ne comprends pas mon cas. Je comprends le mien. Un mois que monsieur promet et qui remet toujours au lendemain ce qu'il ne sait pas faire le jour même. Mais ce n'est que momentané. Mais oui, momentané. Momentané, mais avant, vous étiez un spontané. Ah oui. J'étais le champagne dans le bouchon de sorte. Le champagne. Mais maintenant, vous n'êtes plus que le Vichy capsulé. Là, plus rien qui saute. Mais c'est de ta faute, hein? Je manque des distractions. Faudra un mois que vous me séquestriez. C'est vrai? Ah, si j'avais l'esprit plus libre, peut-être. Tiens. Je vois venir. Vous voulez sans doute que je vous laisse sortir de temps en temps, hein? Et aller faire une partie de billard avec votre ami Oscar. Mais j'aime de caramboler. Ben, vous carambolerez ici. François. Ernestine. François, je pense à quelque chose. Oui, Ernestine. Vous allez aller trouver un docteur. Un psychanalyste. Un psychanalyste? Oui. Pour quoi faire? Pour étudier votre sexualité. Oh, rien du tout. Bon, enfin, maman... Non, mais parce que nous étions là, toutes des femmes ensemble, dans un supermarché, là, hein, et on bavardait. Et j'ai parlé de votre déficience des hormones. Et à qui? Ben, une personne, là, je ne sais pas qui. Et elle a dit que son mari était justement dans le même cas que vous. Elle m'a donné l'adresse d'un psychanalyste. Bon. Et je vous donnerai 350 francs, c'est le prix de la visite. 350 francs? Oui, c'est de l'argent que j'ai trouvé dans vos poches. Mais en attendant, vaquez, hein. Vaquez, hein, et de toutes ces petites frites. Toutes ces petites frites? Il est brun, vous savez, mais en fait, c'est un flamme. Allez, regardez quelle allure avec ce tablier. Allez, vaquez, mon ami. C'est toute une petite frite, hein. Vaquez, hein. Vaquez. Vaquez, vaquez. Sale vac. Ah! Bonjour, Alphonsine. Je viens vous chercher pour aller faire une petite partie de billard avec Oscar. Mais ça n'ira pas, hein? Pourquoi? Regardez. Oh, elle l'a cassé. Une si belle queue. Ouais. C'est triste, hein? Oh. Oh, qu'est-ce que tu veux? Ma femme m'envoie chez un psychanalyste pour mesurer ma sexualité. Il te manque quelque chose? Non. Non, je suis complet, j'ai tout. Mais je ne sais plus m'en servir. Ça, c'est tout de même embêtant, hein? Eh bien, écoutez, je vais intercéder pour vous. Vous aimez le billard? Oh, j'adore le billard. Mais malheureusement, qu'est-ce que vous voulez? Je manque de distraction, n'est-ce pas? Oui. C'est le moral qui est atteint. Oui, c'est de là. Non, c'est pas dans la tête. Oui, enfin. Oui. Eh bien, écoutez, Oscar va vous emmener une petite demi-heure. Oui, mais ne rien dire, hein? Je suis chez le médecin. Bon, d'accord. Il vous attend en bas, près de la voiture. Ah, si vous pourriez dire quelques bons mots pour moi auprès de ma femme. Soyez tranquille, mon ami. Je vais prendre votre affaire en main comme si c'était celle de mon mari.
C'est vrai? Là, oui. Quelle brave femme, hein? Allez, allez, allez. À tout à l'heure. Hein? Allez, à tout à l'heure. Rien à dire, hein? Non, sois franc. Mais c'est vrai, les hommes, c'est comme ça. Ils doivent s'amuser, c'est comme des enfants, hein? Ils doivent toujours avoir quelque chose en main ou faire quelque chose. Mais un homme, c'est comme ça. Je sens avec le mien aussi, rien à faire, il faut toujours s'amuser. Hein? Madame Ernestine? Je m'en ai mal foncé, j'entendais parler, je croyais que c'était la radio qui marchait. Non, je soliloque. Ah bon, bonjour madame. Bonjour madame Ernestine. Ben oui, François? Eh ben, il vient justement de partir. Ah oui, je sais. Oui. Je sais. Il m'a parlé de son cas. Qu'est-ce que vous en pensez, donc? Faut le laisser jouer, hein? Il joue aussi mal. Oui, mais il paraît que vous l'énervez avec votre présence. Je vais quand même être là quand il joue, hein, madame? Pourquoi? Mais oui, pourquoi? Au début, avec Oscar, c'était la même chose. Et il ratait toujours tous ses coups. Oui. Dites. Ils sont débiles. Qu'est-ce que vous avez fait pour ça? Ah ben, je l'ai laissé jouer tout seul sans le regarder. Et il a pris goût à ça? Mais naturellement, tous les jours, il s'entraînait pendant 2 heures. 2 heures? Alors, je pense bien qu'il sait être prêt. Oui, mais depuis, hein, il n'a plus jamais été intimidé, même pas devant ses amis. Alors, vous faites ça en public? C'est plus gai, hein? Et puis, ça met de l'ambiance. Mais c'est une habitude. La dernière fois, on a tellement ri, hein, qu'on a dû s'arrêter. Je dois dire qu'au début, Oscar avait un petit défaut. Il attenait toujours un peu trop bas. François aussi. Alors, évidemment, il n'y avait pas d'effet, hein. Mais c'est ce que je me tue à lui expliquer, madame. Oui, mais depuis, il s'y est mis, hein. Et maintenant, sa moyenne est de 3 coups. 3 coups. Vous en avez de la chance. Mais ça viendra aussi avec non. François Messi. Il n'y a plus rien, c'est mort, madame, il n'y a plus rien. Mais non. Écoutez. Ça viendra avec lui. Seulement, il faut tout de même d'abord qu'il y ait un bon matériel, hein. Ça, c'est indispensable. Mais dites-moi un peu, qu'est-ce qu'elle pèse? Madame, moi j'ai jamais mis ça sur une balance. Maintenant, le poids réglementaire est de 550 grammes. 550 grammes? Oui. Une bonne livre. Oui, c'est ça. Oui. Et quelle est sa longueur? Ça, madame, je ne sais plus. Depuis le temps. Celle d'Oscar, 1,40 m. Oh, il la passe facilement derrière son dos. Mais c'est l'homme serpent, votre mari. C'est lui qui m'a appris tous les coups. Oui. Seulement, pour bien les réussir, hein, il faut absolument qu'elle soit bien droite et bien calibrée. Ah, oui, ça. Comment? Celle de François. Mon frère. C'est un peu la tour de Pise, hein? Mais la meilleure position, vous la connaissez? Non, madame. Bon, enfin, mais qu'est-ce qu'on vous a appris, à vous donc? J'ai fait des crêpes. Des crêpes.
Allez, je vais vous expliquer. Vous allez voir. C'est pas difficile. Je suis contente que vous êtes venue aujourd'hui. Voilà. Ça vous en connaissez. Eh bien, voilà. Ça, je suis contente. Vous mettez d'abord le pied gauche en avant. Le pied droit en arrière. Vous évincez en rien le corps. Puis, vous prenez l'objet de propulsion. C'est comme ça que vous appelez ça. Et vous, vous appelez ça comment? Enfin, mais c'est le terme technique, tout le monde appelle ça comme ça. Comment vous avez dit? L'objet de propulsion. Allez. Allez, je recommence, hein. Voilà, pied gauche en avant, pied droit en arrière, évincer le corps, prendre l'objet de propulsion, mais pas la serrer, hein. Ça fait mal. C'est mauvais, très mauvais. Et masser. Quoi? Mon frère, madame Merlustine, mais où êtes-vous donc, fille? Mon frère, mais ça, c'est tout de même la dernière des choses. Mon frère, mais c'est inscrit partout en long et en large, défense de masser. Mais oui, mon frère. Et puis, ça fait des trous dans les draps, et c'est chaque fois 500 francs. Oui, oui. Alors, commencez. Non, non, commencez. Non, enfin, non, allez. Commencez. Je recommence. Oui, madame. Pied gauche en avant, pied droit en arrière, évincer le corps, prendre l'objet de propulsion avec délicatesse, à peu près vers le quart de sa longueur. Ben alors, il ne restera plus rien, madame. Comment il ne restera plus rien? Enfin, la moitié. Et la moitié de la moitié. Vous trouvez qu'il ne reste plus rien, vous? Frère, avec ce qui reste, en haut. Bon, enfin, mais on n'a jamais eu plus. Ah, maintenant, un dernier conseil. Très important. Hein. Oui. Ne jamais choquer les billes. Il faut, au contraire, qu'elles restent bien groupées. Moi, je veux bien, madame. Eh ben, voilà, maintenant, moi, vous êtes raisonnable. Ça, c'est bien tenu. Bon, enfin, il faut qu'il s'amuse. Hein. Mais madame, mais qu'il s'amuse? Mais quand je suis là? Mais non, laissez-le d'abord s'amuser tout seul. Il viendra de lui-même vous chercher. Croyez-moi, j'ai passé par là, je sais ce que c'est. Je parle par expérience. Bon, j'entends du bruit, ça doit être... Vous êtes une vraie amie, vous savez, madame. Ça, c'est bien. Ah, Alphonsine, vous êtes encore là? Oui, dites. Oui. J'ai parlé pour vous. Elle est d'accord. C'est vrai? Oui. Alors je vais tout lui avouer. Oh. Ernestine? Oh, compte. Franchement, tu t'emmènes. L'objet de propulsion. Ernestine? Écoute un peu. Oui. Voilà. Tu m'as donné 350 francs, hein? Oui, François, tiens. Voilà. Alors, je n'ai pas pu résister. J'ai acheté une nouvelle queue. Hein? Une nouvelle? De 550 grammes et d'un mètre 40. Et avec un nouveau cuir au bout. Regarde, elle est là. Regarde, oh, quelle queue. Oh, 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 oh,